La plupart des Européens considèrent l'adhésion de leur pays à l'Union comme un élément positif, mais seulement un tiers approuve l'action de la Commission européenne. C'est le résultat d'un sondage exclusif d'Ipsos pour Euronews. Le Portugal et l'Espagne sont les plus euro-enthousiastes, alors que la République tchèque est le seul pays membre où moins de la moitié de la population apprécie l'adhésion à l'Union. Le taux de satisfaction est aussi faible en Slovaquie, en France et en Italie. Pour certains analystes, ces chiffres n'ont rien de surprenant. I think it is perfectly fine to have, you know, at the stage of European integration as we are now, to have 60%, a bit more than 60% expressing a positive view and only about 15% expressing a negative view. Since it's about the performance, it's not really about the polity itself. This is not a judgment about the European Union, it's a judgment about the current outcomes of the European integration process. 37% des personnes interrogées considèrent positivement les travaux de l'actuelle commission dirigée par Ursula von der Leyen, qui a dû faire face à de nombreuses crises, de la pandémie de Covid-19 à la guerre en Ukraine. 32% ne s'expriment pas et 31% ont une opinion négative. En France, le taux d'approbation est particulièrement bas. I'm not surprised that if French people are turning against Macron, which is quite typical at this stage of a French presidential parabola, I'm not surprised that voters associate von der Leyen very closely to Macron, and therefore they dislike Macron, and therefore they dislike von der Leyen. Ursula von der Leyen est particulièrement critiquée par la gauche, les conservateurs et par le groupe Identité et Démocratie. De plus, un cinquième des électeurs du Parti populaire européen, sa propre famille politique, désapprouve son héritage.